fait balle. Ah putain, depuis tout à l'heure j'utilisais les mauvaises munitions. Ça c'était du headshot. Vous avez vu quand même le, une balle à mort qui fait zizir à mon petit cœur. Putain, en plus ça bat pas mal de balles. Hein. L'eau purifiée, du whisky. Tu vas être sympa comme gars. Mais les mecs sont allés au couteau. Elle a au couteau Noken, ils sont allés fuck that ou du vent. De l'iguane, ouais. Deux capsules. Des morceaux d'iguane. Ah merde, c'est vieux. Vous voyez en bas. Jet. C'est toujours bon d'avoir un peu de drogue sur soi. De l'eau purifiée. Et il avait des grenades pour lance-grenade, mais pas de lance-grenade. Donc c'était assez con. On peut pas s'asseoir ? Oh, dommage. Bon, il faut faire que de l'eau jaillissante, c'est pas possible. Je pense être l'heure de bouffer. Alors ça, déjà, on va le réparer. Attendez, 1. Alors 1, c'est 2 plaies. 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Je vais regarder juste ça. Donc, je vais bouffer le petit iguane qui est vieux, donc on va le bouffer tout de suite. Donc ça devient encore plus vieux. Petit truc de banane. Et de l'eau. Je vais avoir un peu d'eau. Voilà. Deux bouteilles d'eau. Et on va dormir. Demain, ça va être une assez grosse journée, les amis. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'on va boire Nipton. Qui est une ville, bah la ville qui est juste là, hein. Que je n'ai jamais faite encore. What's up? On va s'échanger quelques trucs. Je vais te donner quoi? Qu'est-ce qui est lourd sur moi? Ça. Je vais y donner, puis ce serait capable d'utiliser. Ça, je te le donne aussi. Patate fraîche. Heureusement que les magazines ne prennent pas de poids. Poche le sens prend du poids, j'utiliserai tout à l'heure. Et après, de toute façon, je vais boire de la bière. En plus, c'est son équipe. Buvons de la bière. Et. Ça réduit mon sommeil. Épique. Oui, voilà, maintenant, go à Niptown. Nipton, pas Niptown, qui est une ville. Putain, je suis blessé, en plus. C'est quoi, là? Je crois que je l'ai déjà vu ce script. Oh, tu bugs, toi. Vous avez vu ça? Cette folle m'a attaqué sans raison. Vous la connaissez? Depuis peu. Je l'ai rencontrée sur la route il y a quelques jours. Depuis, on voyage ensemble. On était même en train de flirter quand elle a sorti une arme et m'a crié de lui lancer mes capsules. Maintenant que j'y pense, elle a ri quand je lui ai jeté mon argent. Elle a dit que ce qu'elle voulait, c'était mon collier porte-bonheur. Hein? Ouais, de temps en temps, on tombe sur une capsule avec une étoile bleue. Comme elles sont assez rares, quand j'en ai eu assez, je m'en suis fait un collier en me disant qu'elle me porterait bonheur. Quoi? Vous n'avez rien vu! C'était assez moche, j'avoue. Ah ouais, il en avait pas mal. Il en avait pas mal quand même. Il en avait 7. Je crois que je l'avais pas tué la dernière fois. 2. Putain, ça m'a donné 900. Waouh! J'en ai 9 d'un coup, alors que normalement il en faut 50 pour débloquer le trésor. C'est quand même pas mal. Hein. Je fais une petite sauvegarde là. Ça rame un peu, ça y est, ça ne rame plus, et voilà, ça c'est la ville qu'on devait on devait fouiller, voir ce qui se passe à l'intérieur, car le ranger a dit
C'est pas normal, il y a de la fumée qui s'échappe. Sûrement se faire attaquer par des raiders. Oh putain. Où ça rame beaucoup, l'attendez. Voilà. Ouais! Qui c'est qui a gagné la loterie? C'est moi! Sentez-moi cet air. Ah! Dommage qu'on ne puisse pas le boire comme un bon verre de gnôle. Quelle loterie? Quelle loterie? Mais la loterie! La seule! L'unique! Combien de neurones vous avez? Y'a qu'une seule loterie qui compte! Oh mon dieu! Sentez-moi cet air! Vous faites partie des poudriers? Un poudrier? Quoi? Oui, je veux dire, oui, avant, oui, j'étais un poudrier. Mais c'est fini! Les poudriers, c'est des petits joueurs. Moi, je suis un winner! J'ai gagné à cette saloperie de loterie! Ça va? Vous êtes débile ou quoi? Je ne me suis jamais senti mieux. Jamais. A plus. Au revoir. Oui, voilà. Et quand on rencontre ce mec, on peut se dire « What the fuck ?» What the fucking, fucking, fuckity, fucking, fuck. Fucking fuck. Magasin de Nipton. Wow, putain. Ouais, le NB, dès qu'on est dans des bâtiments, c'est, il est moche. Regarde-moi ça. Ça bug un peu. Voilà. Là, c'est mieux. Enfin, mieux. Ça rame un peu, quand même. Ça rame un peu du fion, j'ai dit. Putain, c'est une blague? Je? Pourrais-tu bugger? D'abord, je me fais niquer les pattes. Ensuite, c'est le bourreau des poudriers qui se pointe. Mais qu'est-ce que vous avez contre nous, mec? Attendez, je vais faire une petite post-raps. Oh, merde, voilà. Bordel! S'il faut que je crève, suffit de me donner 15 médics, que je fasse une overdose, d'accord? Merde! Attendez. Voilà. Qu'est-ce que vous faites encore ici? J'en sais rien, parce que j'adore ce bled. Qu'est-ce que vous croyez, Trouduc? Le deuxième prix me laissait la vie sauve, mais ils m'ont massacré les jambes au marteau. Je suis infirme, d'accord? Donnez un peu de médics. Alors je rêve et vous êtes un ange. Combien vous allez m'en donner? 5 doses. 5 doses? Cool! J'ai de quoi oublier tout avec 5 doses. Ok, j'ai augmenté mon karma. Ouais. La chance. J'ai eu une sacrée putain de chance. Vous admirez le deuxième prix de la loterie de Nipton. Cet enfoiré de Swanny qui a eu le gros lot. Ils l'ont laissé partir, lui. C'est pas pour y jouer qu'on est venu ici, Mega et moi. On voulait enlever des soldats de la RNC qui étaient venus en ville pour tirer un coup. Tout était arrangé avec ce fumier de mer. On devait les rançonner et garder leurs armes. Ça devait être une super affaire. Ah voilà, ça va mieux marcher maintenant. On a pris position, voilà. Et la minute d'après, on était cernés par ces tordus de la Légion. Légion. Ils nous ont traînés au centre de la ville avec tous les autres. Et ce connard avec un kleps sur la tête a commencé à nous dire nos quatre vérités. Il a dit qu'il fallait nous punir pour ce qu'on avait fait. Pas tous, mais certains. Et il a donné à chacun un putain de ticket de loterie. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que chacun ait son billet de loterie? À votre avis, il a commencé à tirer les numéros et à punir les gens. Les premiers, ça a été les perdants chanceux. Ils ont été décapités. Chanceux, ouais. Parce que ça va vite. Ensuite, il y a eu les crucifixions. Ça a duré. Duré. Les troisièmes prix ont été réduits en esclavage. Ça va. Moi, on m'a brisé les guiboles. Et le gagnant est parti les mains dans les poches. Qu'est-ce qui est arrivé au maire? Lui? Quand son ticket est sorti, ils l'ont brûlé vif sur un tas de pneus. Alors, vous avez dit que certains de ces gens étaient amenés comme des esclaves. Ouais, un groupe de la Légion les a emmenés tout de suite. Ils sont partis à l'est, si vous avez une poussée d'héroïsme. Je comprends pas vraiment pourquoi le jeu bug à ce point, putain. Pause. Voilà, je vais faire tout mon possible pour les sauver. Et pas la peine de croire que vous me rendez service, ni rien. J'en ai rien à battre, moi. Et voilà, donc vous avez compris ce qui s'est passé en ville. Il y a eu une attaque de la Légion. Vous allez voir. Ah mais mon dieu, on va enfin pouvoir voir à quoi ressemble la Légion. Eh oui. Waouh. On va pouvoir les tabasser. Pas tout de suite. Hein. Ok. Ce sont quand même des légionnaires. Des mecs. Ah. Putain, je bourrais pas ça. Enfin, je comprends pas pourquoi ça rame autant dans les...
dans les maisons, en intérieur, quoi, ça rame, alors qu'en extérieur, ça rame pas du tout. Sachant qu'en plus, là, j'ai le ENB n'est pas activé. Qui déconne complètement en intérieur. Je vais d'ailleurs enlever, je pense, le remplacer par un autre. Oh, attendez. Et là, on réactive. Voilà. Quand même sauvegarde. Voilà. Oh putain! Ne bug pas trop. Et décapitation. Je fais c'est sympa.